Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue avec nous et qui c'est Blad Revo Sport dans la vidéo ça. Dans la vidéo de ya, nous bral gen pour nous parler de l'équipe FC et Barcelona qui bral gen pour la visiter l'équipe Napoli. C'est dans 16e de finale Europa League match retour fanatique Blad Revo Sport yo, fanatique football yo, puisque nous connaît. Match Alia, tu joué dans le camp noir, il était fini, c'était un goal là partout. Et bien, nous connaissons, c'est comme ça, il était fini dans le camp noir fanatique. Qui ça nous pensait de match football ça? Barcelone Bral gagné pour aller jouer. Et bien, on joue et cap jeudi 24 février 2022 à côté de 3h pour vous-même qui n'a pays d'Haïti. Ce match qui va dérouler dans le stade Diego Armando Maradona, c'est la rencontre l'ambral déroulé fanatique football. Je connais grand pile zami qui t'a remis pour équipe FC et Barcelone qualifié, qu'on paquet l'autre et qui t'a remis tout pour équipe Napoli qualifié. Et n'a tout fort connait tout, Lisa Joez a vu qui s'est entraîné équipe FC et Barcelone convoqué qui pour aller jouer face à l'équipe Napoli, ou tout connaît, moun kap présent pour l'équipe FC et Barcelone. Nous allons venir avec statistiques de l'équipe ça. Et bien, nous allons pour nous porter tous les détails ou nous connaît sur match football ça. Mais avant nous porter les petits détails fanatiques Blad Revo Sport, nous allons rappeler ou même qui nouveau sur channel ça, qui c'est Blad Revo Sport, nous allons inviter aussi à abonner. Activez la cloche de notification, quittez un like, quittez un commentaire et puis partagez la vidéo ça avec tous les amis pour plus de monde capable de découvrir la chaîne YouTube Blad Revo Sport. Ou même qui toujours prend le temps et qui tente des vidéos Blad Revo Sport, qui a partagé, qui a quitté un like, qui a un commentaire. Nous vraiment contents de ce qu'on met ensemble avec Blad pour nous capables toujours continuer de travailler pour fanatique Blad Revo Sport. N'a pas de pause, n'a pas de pour plus de détails. Yon fois encore, yon go bonjour, go bonsoir avec tout super connecté Blad Revo Sport yo. J'en ai déjà fait, ou konnen nan commencement vidéo, nous bral gen pour nous parler de l'équipe FC et Barcelona. Nous konnen équipe là en déplacement pour la visiter équipe Napoli nan 16e de finale match retour jeudi et cap 24 février 2022 à côté de 3h pour vous-même qui est dans le pays d'Haïti. Son match ou bral gen pour suivre avec nous et qui c'est Blad Revo Sport sous Blad Revo avec Blad TV. C'est deux côtés ça yo. Nous bral gen pour nous faire vivre match football là, fanatique football. Puisqu'on débarque le match aller à lui-même, il était fini, c'était yon goal là partout. Nous te connaissons ça déjà. Eh bien, match retour, et nous par contre, comment ça va aller, qui est-ce qui a qualifié, il faut gagner une dans deux équipes ça, qui peut ta qualifier. D'après vous-même, qui est-ce ou est, qui a toute chance pour ta qualifier fanatique football. Pas oublier équipe FC et Barcelona, nous connaissons qui souhaite faire un bel match dans la Liga Santander, dans le cadre de 25e journée. Fanatique, côté équipe FC et Barcelona, t'es cassé maintenant, mais équipe Valence-Lan, c'était 4 goals à 1, tout comme ça. Et bien, Barcelone qui vraiment et a visité équipe Napoli avec une grosse victoire, 4 goals à 1. On pas dit qu'il va fait une grosse victoire, ça, la caille Napoli, dans le stade Diego Armando Maradona, puisque c'est là. Rencontre plan lui-même, Libral gagné pour dérouler entre Napoli et équipe FC et Barcelona fanatique football. Yo, on a loué, dans la minute qu'il a parlé là, qui est Moun Xavi est convoqué pour équipe FC et Barcelona qui vont aller jouer match retour, 16e de finale Europa League ça, pour équipe FC et Barcelona. Nous connaissons même qui c'est fanatique Barcelone, tu as bien aimé connaître. Avec nous et qui c'est Blad Revo Sport, eh bien, nous allons faire qu'on est dans la minute qui n'a pas parlé à la. Il y a un monsieur ça qui c'est Ter Stegen qui convoqué, qui toujours là pour l'équipe FC et Barcelona. Il y a Sergio Dets, Piqué, il y a Alaoujo et puis Sergio Busquets,
Ricky Dembélé, Adama Brit-Ruit, Neto Pedri, nous avons Luc De Jong, Jordi Alba, Ferran Torres et puis Franky De Jong, Mingueza, Eric Garcia, Aubameyang, Nico et puis Gavi et puis nous avons un tenace fanatique football yo. Moun nous soutenons de la yo, c'est des moun qui vraiment convoqué pour l'équipe FC et Barcelona. Équipe a joué et face à l'équipe Napoli dans 16e de finale match retour jeudi et cap 24 février 2022 à côté de 3e pour ou même qui dans pays d'Haïti. Tout le monde sait que nous passons pour là, nous pas dire c'est tout qui va le monde terrain mais c'est des monde et qui convoqué pour équipe FC et Barcelona fanatique puisque et gain en pile l'autre joueur nous pas attendre tant qu'on en Soufati nous connaissons c'est ça qui blessé et gain monde qui bral dit bladi moi pas attendre et Dani Alves puisqu'il pas inscrit pour équipe FC Barcelona pour le tarif oui et compétition ça qui c'est Europa League nous connaissons ça. Fanatique yo te tellement à plein d'excuses à Xavi lui-même pas inscrit Dani Alves dans Europa League là fanatique puisque nous connaissons son joueur et qui t'a vraiment utile équipe FC et Barcelona. Malheureusement Xavi lui-même n'a pas fait choix avec Dani Alves pour te inscrit dans Europa League là. Nous est piqué qui retourne là fanatique puisque li pat présent devant équipe Valence là dans la Liga Santander là dans cadre 25e journée à côté équipe FC Barcelona tal crasé équipe Valence là la Kaili et pour 4 goals à 1 et te gagné monsieur Sayo qui t'a joué et pour équipe FC et Barcelona nous veut parler de Alaoujo et il y a monsieur ça qui c'est Eric Garcia après Eric qui vient sortir qui vient remplacer par Mingueza monsieur était vraiment a bien joué fanatique là nous pas connaît comment Xavi lui-même il va camper équipe FC et Barcelona devant équipe Napoli jeudi et cap 24 février 2022 connaît grand pile amis qui déjà bralement des avis. Faut qu'il t'a campé équipe là, j'ai le campé là devant Valence là. C'est important. Bonne grande pile monde qui va demander faut Aubameyang lui-même son joueur et qui t'a titulaire pour équipe FC et Barcelona devant équipe Napoli puisque son joueur qui gagne en pile expérience, il habitué jouer compétition ça déjà. Et bien faut nous tout rappeler Aubameyang lui-même a nous dit dans 21e siècle là c'est seul joueur qui arrivé marqué et triplé dans 4 grands championnats majeurs européens fanatique football yo. Eh bien sous pas connaît ou tout connaît avec nous et qui c'est Bladi Infosport. Nous allons entrer dans statistique des équipes ça yo qui c'est équipe FC et Barcelona avec équipe Napoli fanatique football. On a le comment ça y est. Équipe ça y a déjà joué et 7 rencontres. Déjà, rencontre qui a joué jeudi, et bien ça va le faire 8 rencontres. Mais pour moi, on a parlé là, y a déjà joué 7 rencontres dans toute l'histoire. Et bien, dans 7 rencontres, y a joué à fanatique, on a rappelé, équipe Napoli a fait des matchs nuls, 3 défaites, tandis que l'équipe FC Barcelona lui-même lui fait 3 victoires fanatiques, 2 matchs nuls. Il en a contrôlé, nous, l'équipe FC Barcelona, son équipe qui toujours paraît supérieure devant l'équipe Napoli à l'aide des rencontres. Il y a déjà joué fanatiques, il en a contrôlé dans cette rencontre, l'équipe Napoli a joué avec Barcelona. Eh bien, Napoli, pourquoi jamais faire une victoire sous équipe Barcelona? Nous ne connaissons pas pour le match qui va dérouler là, comment ça va aller. Est-ce que Napoli même va décider de jouer et pour ta recevoir une victoire sous équipe FC Barcelona? Nous connaissons s'il veut une victoire, la va qualifier
pour 8e de finale Europa League Fanatique. Yo, gan pile l'autre zami qui t'a remé et pour équipe FC et Borsalot nan li même li t'a qualifié. N'a contrôlé équipe ça équipe Borsalot nan li même zavi te campé et week-end qui se passé là, s'il t'a campé équipe ça. Moi capable de son équipe qui va le bailler en pile problème. J'aime dit dou là, m'pa dit équipe là son équipe qui va le bailler 4 goals, 5 goals, mais équipe ça m'te réservé te campé devant équipe Valence là, et bien s'il t'a retourné campé même moun sa yo fanatique yo, et bien c'est après un l'autre bagaille pour équipe FC et Barcelone. Aubameyang son joueur et nous connaît et qui vraiment utile équipe là premier et titulaire avec équipe FC Barcelone là li arrivé marqué et un triplé mais c'est ça faut prendre ça si c'est pas blessé li pas absent et bien face avec Napoli fanatique nous connaît fanatique et Barcelone t'a bien aimé ouais Aubameyang qui a joué et match football ça pour équipe FC et Barcelone. Nous connaissons Piqué pas capable présent week-end qui se passe là. Bah connaissons si Xavi dit même la fameuse a joué face avec Napoli fanatique. Ou même qui vraiment se tend de tirer aller, de parler que nous même nous fait ce match qui bral gagnant. Eh bien, nous connaissons amis ou bral déjà qui des opinions par eux ce match football ça. Gain bral dit mon cher Bladi et j'aime entendre des statistiques équipe ça yo. Moi-même passé équipe Barcelone dans son équipe qui capable passer pour 16e de finale là sous équipe Napoli. Et bien ou même qui t'a remis qui t'es opinion pas ou capable toujours faire passer dans un commentaire fanatique. N'a déjà remercié toutes amis qui bra gagne chance dans les vidéos ça qui bra qui ton like qui un commentaire ça fait que mon compte pour nous venir informer et porter ma football pour tout et c'est fort vivre ma football on connaît. Nous pas là pour seulement à venir informer ou les informations retombées, mais plutôt nous là pour former ou et informer ou et porter un match football de goût fanatique. Ou même qui va tomber sur le channel ça pour la première fois. Blazer Sport a tout invité aussi à abonner, activer la cloche de notification. Quitte ton like pour nous, quitte ton commentaire tout. Laisse ça, n'a toujours encouragé venir porter sa café actualité dans le monde football. C'est là pour mettre en fin la vidéo ça. Rendez-vous avec Blazer Sport, c'est pas pour toi longtemps pour une autre vidéo.